Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, mon père. Content d'être avec vous en cet après-midi pour partager le pain de vie et la parole de Dieu. Nous en sommes sûrs, certains et convaincus qu'en dépit des troubles, des épreuves, des obstacles, des difficultés de tous bords, dont nous sommes en but, mais quand bien même jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En sorte que nous disons que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Amen. Nous allons partager un message qui a pour titre Une illusion d'amour. Et nous en sommes sûrs et certains que la lecture de ces textes nous a été présentée par la sœur Grace nous donne déjà une idée de ce que sera cette illusion d'amour. Cette illusion d'amour met en vedette deux personnages, Samson et Delila. Frères et sœurs, lorsque nous avons marché avec bon Dieu et que nous écartons de normes que l'on établit qui a permis à nous-mêmes et lui-même gain relation qui doit gagner en relation parfaite, harmonieuse, verticale, et qui doit permettre que nous fait parler de lui côté nous y est, et qui fait tout le monde capable de connaître que nous sommes serviteurs de lui, si on a un bagage qui est vraiment belle. Mais cependant, faut souvent nous pas toujours comprendre que nous sommes établis pour bien-être physique nous, bien-être mental nous, bien-être spirituel nous. Et en même temps, nous sommes là pour orienter nous vers tout ça qui est bon, non pas pour permettre que nous prenions des chemins qui pourraient parsemer ou bien jalonner de ronces, d'épines, des chemins qui crevassaient, il y a plein tout là-dedans. Et il y a même tout, il y a gain toute une série de signaux, je vois un peu le signal par nous, qui annonce nous déjà ça que nous sommes capables de avenir qui sombre, qui triste, un avenir côté déception, déjà présent, côté humiliation, côté honte, côté déshonneur, inévitablement, yo nan rendez-vous. Ça montre nous que un jour ou l'autre, c'est ça, la guerre pour le dérouler. Et là vraiment triste pour que les constats a fait pour yo réaliser que c'est des mondes qui a marché avec bon Dieu, non seulement qui a marché avec bon Dieu, mais qui choisit par lui-même de les entrailles, depuis les entrailles de sa maman, qui consacrait, il mettait la part pour travailler, qui pourrait le trouver dans ce genre de situation. Ça, alors que bon Dieu te permet que tout le travail que tu fais préalablement, tu te fait de façon à ce que le serviteur soit capable d'accomplir une tâche qui est noble et qui vraiment a fait qu'on est. À nation païenne, yo, nation qui sous côté, yo, que c'est bon Dieu, lui-même qui l'éternel, c'est lui-même qui vrai Dieu. Donc, fort souvent, serviteur ça, ou servante ça, que nous sommes capables, nous, qu'on quitte une certaine faiblesse, traverser nous, lorsque nous sommes un frère, cette faiblesse est féminine. Lorsque
que nous sommes une sœur, cette faiblesse est masculine. Et de telles bagailles qui engendrent situation négative yo, et qui peuvent faire vapeur là, d'y renverser contre nous-mêmes. Trop souvent, les vapeurs sont renversées contre nous-mêmes. Nous, quand nous venons dans une situation, côté nous tomber dans la prison, côté nous torturer nous, et nous venons tout nous sacrer les risées, ou un mineur dans sous nous, devant nous, nous avons demandé ce qui a passé. Mais ce qui a passé, c'est les erreurs que nous commettions, que vous voyez, vous infligez nous toute qualité de traitement que nous sommes capables de traitement infra-humain qui fait devant Mounsao, nous ne pas représenter en rien. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque mon Dieu choisit nous pour que nous capables de collaborer avec lui, lorsque il choisit nous pour que nous capables de un ouvrier ou des ouvriers non vignes, eh bien, il mettait à disposition nous tout moyen utile, tout moyen nécessaire qui est capable de permettre de nous affronter mal à l'en face nous sous toute forme et de façon à ce que nous capables d'acquitter nous de responsabilités que nous confions à nous-mêmes avec efficacité. Et pour cela, Libanou ordonnance lion, Libanou précepte lion, loi li, qui symbolisait parole li. Parole ça, par qui nous avec vous, nous sanctifier. Parce que parole là, c'est vérité. C'est ça que Jésus-Christ dit nous à travers. L'apôtre Jean, dans Jean 17, le verset 17. En plus, nous venons par où ça allait nous faire un bac, d'y renforcer dans Nombre 23, le verset 19, qui dit nous, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Bagay sa yo, que nous dit là yo, là yo compilé entre eux-mêmes, yo expliqué nous, frères et sœurs, que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous pas capables d'imposer nous à volonté bon Dieu. Automatiquement que nous imposons nous à la volonté de Dieu, ça débouchait sur ça que nous avons les désobéissances. Et désobéissance là, elle est toujours débouchée sur de graves conséquences. Et c'est ça que nous, par nos profils personnages, que nous avons annoncé, nous avons introduit ce message-là, qui mettait en vedette deux personnages, Samson et Delila, que nous avons cherché à résumer pour nous au maximum. Donc, Samson, comme nous dit déjà, il était choisi par l'Éternel. Choisi par l'Éternel, et ceci, pour le faire un travail spécial. L'étape gagnée pour les camper en face ennemis, peuple Israël, qui de toute part a saccagé lui, il a traumatisé le peuple ça, il a malmené lui. Mais en plus, il a gagné un rôle de juge, que l'étape tape gagné en fonction de juge, que l'étape tape gagné pour l'exercer dans le pays ça, en fonction qui était étendue sur une période de 20 ans. Donc, en tant que tel, mon Dieu, pas de permettre que la joie t'est passée sous tête. Samson, mon mami, depuis avant que lui vienne à la naissance, c'était qu'il y a tout consigne, et lui fait, lui grandit comme ça, et nous réaliser que monsieur, c'était un nègre qui était gagné ça à qui relait, dans l'expression cinématographique, yo, une force herculéenne. Monsieur, dans le langage créole, là, c'est tout au monde. Côté le passé, il fait un courir devant lui. Et dans le bagage, ça, il te fait un pile de gars, des gars qui te fait tort, surtout à Philistéo, qui eux-mêmes, dans la même période, ça,
qui te dominé sur Israël. Peuple Israël là t'es en bas mais et on estimait que c'était un bagage qui c'était un autre littéraire pour eux pour que un peuple de renom que le peuple d'Israël trouvait une situation tomber en bas en nation païenne, en nation ennemie, qui a fait des bagages qui contraire à la volonté de Dieu qui a dominé sur lui. Donc c'était un tel chargé par Isaïe pour le peuple là et Samson lui-même en tant que tel il a fait travail de gain pour le faire. Donc, comme ça, ça tout Samson à droite à gauche, il a participé à une bataille. Et il a toujours remporté ça que nous sommes capables de des victoires prodigieuses. Là, il finit son bataille à un côté, dans quatre coins, zone côté de Dieu, et aller beaucoup plus loin encore. Il a parlé de Samson, n'est que ça, qui s'alliait. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer. Il y a pas de qui phénomène ni ou bien épiphénomène. Phénomène qui a ajouté avec phénomène. Mais quand bien même, Samson, c'était une tête chargée, il était pour le monde si là. Et c'est comme ça, monsieur, tu as effectué un tournée, là, il est tombé dans le pays Gaza. Gaza, c'est un autre contrée encore qui est dans le pays philistéen. Et là, lorsque il est arrivé, mais il était à plein de là. Il était que temps de mettre en place barricade pour lui, pour que de quel mesure il va mettre main sur lui, pour finir avec ça. Après Samson, il n'y a pas de parler de lui dans la communauté ça encore. Mais cependant, selon ça que la Bible a rapporté nous, monsieur de passer une nuit là en partie, là qu'il est prostitué. Et lorsque je suis arrivé aux environs de minuit, monsieur était connu que les gens dehors étaient en embuscade pour lui, barricade, tout ça, ils étaient capables de faire qui interrompt, que monsieur sauvait. Eh bien, monsieur, par force, ça reconnaît que les gens, hein? Eh bien, il était écrasé, porte entrée, ville Gaza, et puis il était sorti sous les gens, il était même porte ça, il montait à la verre, juste son tête morte, dans la montagne qui est en face. Et bon, le pays de bon, il était allé arriver là. Et lorsque M. était trouvé lui, arrivé dans la porte là, sous la montagne là, il redescend. Et dans le moment que il retournait, eh bien, il était croisé avec Dalila ou bien Delila. Là, rencontre ça a été fait dans la vallée que les Sorek. Immédiatement que Samson et Dalila, il est pris d'amour, peut-être pour beauté ça, peut-être pour démarche de Dalila de Guéin, peut-être pour élégance, peut-être pour, en fait, on est tout ça que tu es capable d'estimer, qui est capable d'attirer lui. Et bien, depuis le film de Dalila, eh bien, bonnet lui est chaviré de tête lui. Donc on est capable de dire en créole. Et à partir de ce moment, monsieur, pas besoin de connaître qui est ce monde de l'Ilaé, qui c'est une femme étrangère. Faut souvent nous connaître une histoire, juif là, pas Israël là, rapport à la femme étrangère, c'est des bagages que bon Dieu n'a pas accepté du tout dans la période ça, du tout, du tout. Mais cependant, monsieur, pas toi, qui est ce monde que tu es capable de prendre pour madame, ses fils, ça. Et à partir de ce moment, il était côtoyé lui. Et semblait, en dépit du fait que cohabitation, c'est un mari qui était avéré lui impossible, parce que Samson son nec qui consacré à Dieu et puis à son païen, et en même temps qu'ils n'ont pays ennemi. Samson, oublié tout bagaille, il était traversé les frontières là, il était arrivé dans Gaza, il écrasait toute barrière, il n'y a pas besoin qu'on ait balde là. Donc, il est venu gagner mes ententes entre lui-même et nous, dans la communauté, certains proches de Lila tout. Et avant même ça, M. de Trouvelli utilisait des renards que j'ai gagné dans Mémi, quand il était détruit des plantations d'oliviers.
que nous avons gagné dans un nom et des plantations de blé également. Parce que ça va faire nous content. Lorsque j'ai parlé un peu de fait sous ça, nous avons fait, il était entré dans le gourmet avec nous. Il était tué un peu là-dedans. Et il continuait le chemin. Mais semblerait-il, tant que nous faisons dire là, tout, que ça nous oubliait que de faire un vœu avant Dieu, que l'Isséon nazinéen, lui doit être fidèle à mon Dieu dans toute bagaille. Il y a une obligation pour que lui a quitté lui de nos tâches. Et tant que nous toujours dit lui, selon la parole de Dieu, toute bagaille que mon Dieu planifie avec nous, lorsque nous parlons, c'est oui, c'est amen. Nous sommes dans un texte précédent, mon Dieu n'est pas un fils de l'homme qui a gagné pour le repentir, ni pour le mentir. Donc par conséquent, ça me saute qu'on est toute bagaille déjà. Il devait être fidèle dans le service. Li. Donc, lorsque nous, Samson, était là, ferme, sous décision, on dit, nous nous disons, sous décision que le bon, ça fait nous référer nous à une pensée de un auteur, c'est malheureux, qui est inconnu. Auteur, ça qui dit, parole, ça, que Nabdia, qui montrait que l'amour que Samson gagne pour Delila, il vient primer sous rapport avec bon Dieu, sous consécration, sous toute bagaille que j'ai gagné pour le faire, en tant que si là que bon Dieu, depuis nos entraînements, il était choisi, eh bien, nous tirer parole ça haut, qui montrait que souvent on dit que l'amour, c'est un sentiment qui est plus fort que la volonté. Ce qui veut dire, plus on est arrivé dans un stade où craindre, plus on exposé. Dans un auteur qui écrit, il dit, l'amour est un sentiment qui est beaucoup plus fort que la volonté. Plus on a peur de lui, plus on y est exposé. Guillaume, l'auteur de même ordre d'idée, qui dit l'amour est comme une maladie contagieuse. Plus on la craint, plus on est contaminé. Nous essayons de faire symbiose, mettez des bagages ensemble pour nous essayer de comprendre ça. Nous, mes bien-aimés frères et sœurs, parole, ça ressemble à une raison sur Samson. Parce que, il était montré que il y a une certaine faiblesse sur le plan féminin. Et ces faiblesses, ça, qui fait des vérités, ouais, de lui là, il n'y a pas de poser tête aucune question. Il n'y a pas de chercher, l'oublier de la communauté, ça a été rencontré avec de lui là. C'est une communauté ennemie. L'oublier que tu es sur un terrain piégé. L'oublier que tu es franchi, frontière là que le pape doit franchir. L'oublier pour faire ça avec des barrières qui renversent. L'oublier avec des ennemis qui comptent en face de lui, qui a tout le champ, capable de faire n'importe réaction. Et ce qui était important pour lui, c'était Delila. Ça, c'est une faiblesse vraiment marquante de un monde qui voit un monde pour la première fois. Par contre, c'est voleur, c'est loup-garou qui s'allie exactement. Et puis, quand on voit un d'amour, et puis on va faire bac encore. Eh bien, dans la situation ça, nous voyons que monsieur est arrivé, fini par partager que lui avec Delila. Et tout bagaille ça, démontrer que l'amour ça, il va apporter bonheur pour Samson, il va plus montrer malheur, parce que déjà, toute indice existe déjà. Tout indice qui vous débouche sur catastrophe, il doit exister déjà. Alors que c'est monsieur lui-même qui n'a pas tenu compte de la réalité, que la vie de madame n'a que l'éternel. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, prince philistéo, semblait que vous t'attendez pour qu'une collection qui fait en Delila et Samson, pour que vous passé à l'attaque.
Yo pas entré dans la bataille avec monsieur à bout portant. Ça a été fait. Yo te servi avec Delila en tant que concitoyen dans le pays, concitadin, etc. Ces canals ont été utilisés pour arriver à Samson. Ils ont demandé à Delila pour le dégager, pour le connaître, pour qu'elle fasse Samson. Bah, les secrets. Comment faire des forces à quelqu'un qui fait le marché clavé brisé à droite à gauche? Et en même temps, pour le monde de Samson, qui ça que ça lui est capable d'utiliser pour que vous mettez en bas code l'aile by secret ça. Donc maintenant, ça, nous ne pouvons pas parler de vous. Vous venez dans juge 16, verset 4, verset 6, verset 10, parce que là nous arrivons dans verset 13 ans, donnez vous venez changer. Donc nous voyons que chaque fois que nous posons une question, ça, que M. de Bali ne passe ça pour le demander. Côté il y a une force ça, cette balle force ça. Et si toutefois que vous mettez sous lit, comment il a fait pour être capable de lire, marrer lui. Et Samson toujours répond négativement. C'est-à-dire Samson va le mentir. Pendant trois fois, Samson va le mentir sur lui, sous même question. Et là encore, nous allons rencontrer avec faiblesse Samson. Mais cependant, en tant qu'homme, nous ne parlons pas de faiblesse à 100%, nous parlons de l'amour que nous ressentons pour Delila, après qu'on finit de mentir trois fois. Sur la même question, il y a une réponse négative. En dépit du fait, M. Fin comprend que l'homme a un rendez-vous, mais il est réel. Lorsque Delila parlait avec lui, mais pas en lui, et mes frères et sœurs, Delila te dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Lorsque Delila dit parole ça, ça me sont allé, frères et sœurs. Parce que ça me sont encore. Ça me sont qui en extase lorsque regarde le roi qui a comme le monde pour dire, oh, depuis tout le temps, on a vivre. Moi avec moi, pour que on parle avec moi tout, qui contrôle, faut qu'on dise la vérité à Yodia. Monsieur Senti n'a pas qu'un dernier encore en matière de secret. Et il te répond de Lila pour te dire, après résumer, depuis une grande maman, il te consacré à bon Dieu, pour faire service bon Dieu. Et l'autre te baille pour que le rasoir ne passe pas sous tête lui. Si le rasoir passe sous tête lui, la vie faible, même à tout homme ordinaire qui existait dehors. Alors que là, nous sommes capables de considérer que Samson était vraiment une particularité. Il était un cas spécial. Parce que c'est bon Dieu qui était doté de cette force que lui était gagné, de ce courage, quel que soit l'obstacle qui était devant nous, pour que lui vainque l'ennemi. Et lorsque lui dit Delila parole ça, Delila tout, il me sentit froid ça, il est une vérité. Parce que l'a cherché, monsieur, depuis qu'on bout du bout de temps, on n'y est pas à marcher. Je te promets tout, puis je te balle l'argent. 1000 cycles d'argent et une centaine qui suivent. Je te promets ça. Et bien vite, il t'a réveillé mon garçon, il t'a venu. Voilà. Moi-même, toujours à dire pareil ça, l'homme a parlé, côté à faire débat, soit à faire vie conjugale. Une vie conjugale, côté que des débats qui a fait sur la famille, la position fille-garçon. Même toujours souvent à décrire ce qu'on appelle l'hypocrisie conjugale. Et là, moi, je dis encore, Delila tout venu, nos situations, les films du vérité ça. En tant que femme, soudain, on est là tout bon. Il faut chercher tout le gens pour démarquer, monsieur. Même si vous avez vu, il faut protéger lui. Parce que le film va dire vérité. Et vous êtes interrogé lui. Je parle avec lui. Il ne va pas cacher rien pour encore. Il n'y a aucune dureté de cœur. Il dit la vérité.
Et cette vérité, lorsque les filles gagnent, il informe ces princes philistins que foi ça, que Samson Rikel, Bali, lui dit que vous avez besoin de connaître, préparez-vous, vous avez mettre main sous lui. Et dans le moment ça, qui ça le fait, qui fait parler de l'hypocrisie conjugale, il prend Samson, il met le coucher sous le genou, il a passé maintenant tête, il a caressé lui, jusqu'à ce que la vie lui avait, il parle encore. Et à partir de ce moment, il met le rasoir dans tête lui, mais il y a un mot de passe. Chaque fois que Delil a demandé pour le battre sur le cœur, il a dit, les Philistins sont sur toi. Et Samson, les Philistins sont sur toi. Depuis que tu as brisé, il n'y a pas de marché. Fois ça, les Philistins rasent les cheveux, monsieur, et lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Ah, Samson, regarde. Il a dit, et finalement, monsieur est venu, il a pris, il a mis un barcode, l'allée. Nous avons fait un profil là pour nous une introduction, il est passé dans la prison, il a torturé, il a humilié. Il est venu considéré comme des détritus qui ont plaqué dans la poubelle. Il a mis une situation infra-humaine que l'État vit. Il n'est pas rien encore. Exactement. Il n'est pas rien encore. Et là, monsieur est venu content le fait qu'il a réussi à ça. C'est préjudice qui est Dieu par là, qui a adoré créer le dragon. Et bien immédiatement, ils ont adressé des prières et des remerciements, des louanges à Dagon, puis ils ont dit merci parce qu'ils ont fait différentes mains sur Samson. Maintenant, tout le peuple a convoqué pour faire une grande festivité parmi laquelle Samson vient dans cette activité. Ils ont éclairé les yeux. Et avec, ils prennent le mi-temps pour faire tout ça de qu'on fait. Pour faire tout ça de qu'on fait, alors que connaît que le bac à faire encore. Il prend plaisir sous lui, il attendait. Des paroles, mais il attendait tout ça qu'il dit. Et Samson, tu as vu un orgueil qui est censé te frapper. Monsieur réalisait que il était dans le service bon Dieu. Regardez qui gens, les vu trouver dans une situation que des mounes qui n'ont l'idolâtrie, que des mouns, que bon Dieu, si ils n'ont pas changé, bon Dieu va qu'on a fait, trouver, mettre lui dans une situation, quand il est en dérision, il a fait le faire joujou, tout ça, on voulait pour le faire. Eh bien, monsieur, tu es venu prendre une décision, et décision, ça a été irrévocable. Monsieur était adressé à bon Dieu, il dit, bon Dieu, songez-moi, mes paroles te dit. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire en vengeance des Philistins pour mes deux yeux. C'est parce qu'elle n'a pas les yeux, vous le voyez encore, qui fait, n'ayez qu'à prendre le faire joujou, faire lago-lago. Et c'est ça qui fait. Il est capable de faire toute bagaille sérieuse, il n'est pas capable de faire aucune réaction. Deux jours, la faire revanche lui pour yo. Et pour cela, mais ça, mon Dieu, nous y est. Nous vivons ça, que Samson te descende. C'est plus que descendre de la eau boueuse du péché. Il était allé loin. Mais lorsque lui parlait avec mon Dieu, et que mon Dieu avait couru d'elle, mon cher allez, papa, mais tu viens pas la même. Nous devons entendre moi avant, nous devons un accord. Pourquoi on marche avec moi, ou pas suivre ça de nous, ne pas qu'on a fait. Dégagez ça, on fait. Yo fait non. Bon Dieu était tendé, lui. Et il a une possibilité pour que il ait une force li, qui au fur et à mesure qui a renouvelé. Dans le gros top ça, que vous êtes réuni pour que vous ayez une festivité ça. Eh bien, monsieur était relé, il y a un jeune qui était là, dans pas mieux, qui était servi de guide. Pour te arriver dans la colonne, c'est-à-dire poteau qui est le temple. Temple là. Et puis même lui, dans deux poteaux, il arrive à exercer pression que doit exercer sur lui, et puis il renverse, temple là écrasé. Et plus le monde mourit que nos périodes, il était contre tout ça que le monde fait. Il était évalué à 3 000,
Nous connaissons une période de sa population en bas en pile. Je dois évaluer à 3000, ça veut dire en pile monde débrouille. Et à partir de ce moment, dès là, nous avons demandé pour qui raison il était consenti pour qu'elle va porter un tel fardeau. Nous ne sommes pas capables de faire jugement, tant que vous faites la Valérie, te dit dans prière tout à l'heure, mais dans le cas Samson, comme nous sommes capables de faire remonter jusque dans l'histoire, là où il y a la croix, au temps de Jésus-Christ, Samson a toute chance pour nous-mêmes avoir nous goûter, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour nous voir tout. Parce que bon Dieu t'a répondu. Bon Dieu t'a répondu, il te permet de faire ça, de faire de façon à ce que je suis capable de venger. Bon Dieu dit, il ne peut pas délaisser nous. Il ne peut pas abandonner nous. En sorte que c'est moi-même avec vous qui vous donne qui j'en avais servi. Mes bien-aimés frères et sœurs. Je dis, ah, nous ne pouvons pas pour délivrer ça qui a passé. Est-ce que je devrais te dire un mot? Est-ce que je devrais te dire un mot? Mais cependant, ça que nous sommes capables de dire en conclusion, dans l'histoire, ça, c'était une illusion que l'ennemi que Samson te gagne pour Delila l'itéye. C'est-à-dire que lorsque M. était une belle fille, belle toute bagaille, il était compris qu'il était bien bon. Mais il était gagné une fausse perception de cette femme qui était devant. Voilà pourquoi il était piégé. Est-ce que Delila a de bonne conscience au moment que Top Lap Kazéa pour dire bon Dieu sauver, nous ne connaissons pas. Mais que nous-mêmes, qui je dis à qui quelque chose pour nous vivre. Si la vie a ta traîné nous sur des chemins, quand elle a mis nous dans dos à dos avec bon Dieu, pour nous trouver dans une situation pour autant, pour tomber sous nous, pour nous perdre à tout jamais, songez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Le Dieu d'amour. Le Dieu de bonté et de miséricorde. Là nous parlons avec la tête de nous. Amen. Depuis nous parler à tout cœur. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Walking in darkness, living in this world, didn't know where we're going until we met our Savior. Let us praise Him. Let us praise Him. Let us bless Him. Let us bless Him. Let us praise Him. Oh, and magnify His name. Magnify His name. The love of God, the love for His children. Oh yeah, is so wonderful. Our marvelous Savior took us out the pit, washed our sins away. Yes, He cleansed us with His blood. Let us praise Him. Oh, yeah. Let us bless Him. Bless Him. Let us praise Him. Praise Him. And magnify His name. Magnify His name. The love of God. The love for His children. Oh, yeah. Is so wonderful. Is so wonderful. Is so wonderful, yeah.